L'atelier de peinture du site de Montrichard, c'est trois cabines de peinture, c'est une sableuse, une cabine de dégraissage et une cabine de préparation. Après mon CAP peinture, je suis rentré chez Daher et maintenant ça fait 10 ans que je suis peintre. J'ai eu une petite formation en arrivant avec mes collègues qui m'ont donné les ficelles, on va dire. On va peindre des conteneurs, donc métalliques. On va également faire du bois, on va également faire du composite. Donc toute une diversité de produits qui permettent aux peintres en fait, de ne pas avoir des tâches répétitives. En fait, la répartition des tâches se fait par le biais d'un planning et du coup, après chaque personne se met sur une série de pièces. On est deux équipes, il y a le matin et l'après-midi. Soit on fait la préparation, l'autre après il fait la finition. Suivant la demande de la pièce en fait. Il y a du ponçage, du masquage, de l'application peinture. La peinture au pistolet et la peinture à l'air mix. Alors un bon peintre, c'est une personne qui a une bonne dextérité. Il faut avoir l'œil, le toucher pour les défauts des pièces. C'est une personne autonome avec un esprit d'équipe. C'est mieux de savoir travailler en équipe parce qu'on est toujours plusieurs dans une équipe. Donc filer un coup de main aux collègues, c'est toujours mieux que de rester dans son coin à faire ses pièces tout seul, quoi. La sécurité, c'est l'histoire de tous. Donc il faut bien sûr tout ce qui est protection, les EPI. Si les bouchons d'oreilles, les gants, les combinaisons. Et également pour la peinture, ben, on va avoir aussi un scaphandre pour justement éviter d'avoir les émanations des solvants. J'aime mon métier parce qu'il est particulier, c'est pas courant. Alors ce qui me plaît, c'est le résultat final, de voir le produit fini. On a cette possibilité d'évoluer sur ce groupe. Le groupe Daher a énormément de sites en France. Vous pouvez aussi faire une carrière à l'international. Rejoignez-nous et candidatez.